Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter deux astuces qui vont vous permettre d'ouvrir des portes fermées sur le mode Battle Royale et sur le mode DMZ de Warzone 2. Donc là regardez, l'entrepôt est complètement fermé, donc si vous voulez l'ouvrir, si vous avez une leurre gonflable dans vos équipements, et bien vous lancez la leurre gonflable devant la porte et ensuite vous tirez sur votre leurre et boum, ça ouvrira la porte. Donc voilà, comme vous pouvez le voir. Donc là, je ne vais pas ouvrir l'autre porte de l'autre côté. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer la deuxième solution. Donc, la deuxième solution, elle est beaucoup plus facile si vous le faites à plusieurs, donc à deux minimum, hein, bien entendu. Mais en solo, c'est faisable aussi. Je vais vous montrer ça. Je vais le faire en solo. Donc là, regardez, je ne peux pas ouvrir. C'est verrouillé. Bien entendu, si je vais de l'autre côté, ça l'ouvrira, mais c'est pas le but. Donc là, en fait, si vous êtes deux joueurs, ce que vous faites, c'est que vous vous accroupissez, que vous visez le véhicule en face. Et l'autre joueur vous fonce dedans et vous allez passer à travers la porte. Donc là, moi, je vais le faire en solo. Donc en solo, ça va être beaucoup plus compliqué parce que je vais devoir le faire tout seul. Donc on va prendre un petit peu d'élan comme ça. Ouais, il faut que je prenne plus d'élan. Il faut vraiment que le véhicule avance contre moi. Ouais, ça va être très compliqué. Je pense qu'avec un plus gros véhicule, ça pourrait le faire. Ouais. Et aussi, je suis sur une pente montante, donc c'est encore plus compliqué parce que le véhicule. Et en plus, je monte tout seul. Là, j'aurais peut-être pu y arriver. Je vais essayer plusieurs fois, hein, et je vais vous montrer le moment où j'y arrive, si bien sûr j'y arrive avec ce véhicule et avec cette porte. Oh, c'est bon, j'ai réussi. Excellent, j'ai réussi, vous avez vu? Donc c'est réalisable en solo. Bon là, vous avez vu, c'est compliqué hein, quand vous êtes en solo. Parce que ben, faut gérer le véhicule, faut qu'il aille assez de vitesse. Faut vite se placer devant là, vous, le véhicule et la porte. Donc il faut que vous vous placez entre les deux. Et ben, voilà, c'est compliqué. Mais bon, vous avez vu que c'est réalisable. Et ensuite, vous allez pouvoir ouvrir n'importe quelle porte, surtout avec le quad. Si vous êtes à deux, avec le quad, c'est plus facile hein, parce que vous pouvez monter avec n'importe où avec le quad. Mais bon, franchement, la technique la plus facile, c'est avec le leurre, hein, bien entendu, parce que vous pouvez le faire en solo. Et ben voilà, c'est deux fois plus rapide, c'est deux fois mieux. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, ben, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulmec et ciao! Peace out.